Allez, y'a tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Dans celle-ci, nous allons parler eh bien, de l'événement des ovnis que vous pouvez avoir sur le jeu. Mais juste avant de commencer, toujours pareil, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me lâcher ton meilleur like. Ça fait super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et vous connaissez la chanson à force, on peut commencer la vidéo. Donc ces ovnis, eh bien c'est pareil que l'année dernière, c'est exactement la même chose, il va y avoir exactement les mêmes récompenses. Mais je vous fais quand même la vidéo, c'est un peu un doublon de celle de l'année dernière, mais bon c'est pas grave, on remet à jour. Suivant les années, d'ailleurs c'est rigolo parce que l'année dernière, la même vidéo que celle-ci, je l'ai sortie vraiment il y a un an, jour pour jour, donc le 14 octobre 2022. Ouais, ça passe trop vite, mais bon. En tout cas, voilà, c'est vraiment une vidéo eh bien, pour les nouveaux ou quoi que ce soit, donc... Voilà, mais c'est vraiment les mêmes récompenses, vous allez voir, vous allez rigoler. Donc, pour ces fameux ovnis, eh bien, tout d'abord, c'est partout sur la carte. Ils spawnent entre 22h et 4h du matin, donc pendant ce temps, enfin... Les jours qu'on a passé sur GTA Online, c'était entre 22h et 4h du matin. Et au bout d'un moment, donc ça doit sûrement être fait vers le 26 octobre, 28, 29, il va y avoir le temps d'Halloween qui va se rajouter. Donc vous savez, le petit filtre là, vert un peu, bah, c'est le temps d'Halloween qu'on aura pendant toute la nuit. Et je sais plus si c'est aussi la journée, mais en tout cas toute la nuit, bah, c'est vrai que ça faisait un peu mal à la tronche. Mais en tout cas, voilà, et du coup, quand il y aura ce temps d'Halloween, les ovnis seront disponibles entre 19h30 et 6h30 du matin. Donc il y aura une plus grande plage quand même pour les photographier, etc. Donc justement, vous allez devoir photographier ces ovnis et les envoyer à Omega pour gagner 15 000 GTA dollars et 1000 RP par ovni photographié. Donc c'est vraiment plutôt pas mal en vrai. Vous allez devoir photographier les 26 ovnis pour gagner 100 000 GTA dollars supplémentaires et débloquer des casquettes ovni. Ça c'est vraiment exactement les mêmes que l'année dernière, donc si vous l'avez fait l'année dernière, ne le faites pas cette année, enfin à part si vous voulez gagner de l'argent etc. chaque jour, c'est plutôt fun. Mais là c'est vrai que bah, c'est exactement ce qu'on a eu l'année dernière, donc c'est vrai que si tu voulais faire juste pour les récompenses, bah te prends pas la tête en soi parce que... C'est un peu con quoi. Je vous mets eh bien, les emplacements eh bien, de ces fameux ovnis. Donc vous avez ces emplacements là. Donc voilà, hop hop hop. Et maintenant je vous mets eh bien, le calendrier de sortie de ces ovnis. Donc voilà, 14, tu vois, 15, 16, etc. Et bien, après tu reviens en arrière où je te remets la carte là exactement. Des ovnis, et eh bien facile, bah, tu prends... Le spawn, je sais pas, par exemple, le spawn 7, tu vois que c'est... Attendez, désolé pour les bruits de souris. Tu vois que le spawn 7, en tout cas, c'est au fameux bar où on peut jouer aux fléchettes. Par contre, sur le calendrier, eh bien, quand il y a... Vers les derniers jours. Donc, pour le 27 octobre, à partir du 27 octobre, donc c'est de 13 à 17. Le 28, c'est de 13 à 26, donc il va y avoir vraiment pas mal d'ovnis. Et comme vous pouvez le voir, à partir du 28 octobre, eh bien, on va pouvoir se faire enlever par les ovnis. Vous le voyez avec le petit monsieur, là, qui... comment dire... Qui fait un peu je sais pas quoi. Mais on va pouvoir se faire enlever. Et justement, ça nous intéresse de pouvoir se faire enlever, enfin, capturer par les ovnis, car vous allez pouvoir recevoir des caleçons et un t-shirt ovni. Donc voilà, le t-shirt, je crois pas qu'on l'avait l'année dernière, celui-là en tout cas. Et je crois bien que les gens s'étaient emballés parce que je crois que c'était par rapport à GTA 6 ou je sais plus quoi, c'était sorti enfin, là, il y a un petit moment quand même. Mais pas mal de gens s'étaient emballés, ça c'est vrai. Et du coup aussi vous allez pouvoir photographier, pardon j'arrive pas à parler, l'ovni furtif pour gagner 50 000 GTA dollars et 1000 RP. Alors par contre cet ovni là apparaît le 20 octobre. Vous l'avez sur le calendrier, c'est un petit... merde, comment on dit ça? C'est un petit, une petite étoile avec le sablier. Donc voilà. Aussi, vous avez le sablier. Alors ça, c'est pour les ovnis qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc le 4, donc demain, l'ovni qui apparaîtra... Non, on est... Non, si, si, on est le 14, on est samedi. Donc l'ovni qui apparaîtra demain, donc le dimanche 15 octobre, vous l'aurez, il faudra vraiment le photographier impérativement, parce qu'il ne spawnera plus après pour cet event. Pareil pour l'ovni du 18 octobre, donc mercredi.
vraiment connectez-vous sur le jeu demain et mercredi si vous pouvez, ça serait vraiment cool, au moins si vous voulez faire ces ovnis, etc. Ça peut vous faciliter la tâche. Et en tout, si vous faites vraiment tout à fond de ce que je viens de tout vous dire, vous allez pouvoir gagner en tout 540 000 GTA dollars et 27 000 GTA RP. 27 000 RP, donc franchement, c'est plutôt pas mal pour les dollars. Mais c'est vrai que... c'est sympa, mais il y a plus de façons de se faire de l'argent plus rapidement. Ne faites pas ça si vous voulez vraiment de l'argent et tout. C'est vrai que c'est fun quand même de photographier les ovnis et tout à chaque fois. L'année dernière, moi, j'avais pas pu le faire. Du coup, cette année, je le fais. Donc, je vais pouvoir avoir les mêmes récompenses que vous si vous l'avez fait, si vous les avez fait l'année dernière. Mais bon, c'est dommage de pas avoir mis d'autres récompenses, tu vois. Parce que vraiment, ceux qui l'ont déjà fait l'année dernière, ils vont juste gagner de l'argent. Enfin, ils vont avoir le t-shirt en plus qui n'était pas là l'année dernière. Mais après, ça change pas, quoi. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et puis, voilà, quoi. Après, je vous ferai une autre vidéo, je pense, par rapport au temps d'Halloween. Quand on saura quand il sera déclenché dans le jeu, je vous tiendrai au courant. Je pense que ça va être ça, à partir du 28 octobre quand on va pouvoir se faire enlever, mais j'ai pas l'information encore, j'ai pas vraiment regardé. Donc je vous referai une petite vidéo face à ça. Écoutez, moi je vous dis merci d'avoir regardé celle-ci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Lundi normalement, je suppose, donc le lundi 16 octobre. Pour ceux qui regardent la vidéo avant le 16 octobre, sinon il y a des vidéos déjà qui sont sorties sur la chaîne. Et puis voilà, bon game sur GTA Online, c'était BGK, ciao tout le monde!